Yo, salut les potos, comment vous allez? Ça va bien? Moi la banane comme d'habitude. On est là, on se retrouve pour un petit secret sur Red Dead les potos. Donc là ça va être un secret très lourd les potos. Un easter egg énorme. Je vais voir comme d'habitude la géolocalisation juste après. Donc regardez qu'est-ce qui se passe dans cette scène, dans cette pièce là, c'est vraiment très étrange. Dans cette pièce là les potos, donc déjà vous avez vu il y a plein de cadavres, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Mais regardez quand vous venez après minuit. C'est pas chelou les potos? Regardez, oh là là! Les aliens mon frère. Tu mates ou quoi? OVNI gros, regarde. Des ovnis au-dessus de la baraque. Donc c'est un énorme easter egg. C'est les ovnis débarquent au-dessus de cette maison-là. Uniquement au-dessus de cette maison-là les amis. Donc vous avez vu, il est après minuit. C'est de minuit à 2h du matin. Je peux pas sortir parce que une fois que je vais sortir de la pièce... Et bah la soucoupe volante va disparaître automatiquement. Ça c'est un petit peu chiant d'ailleurs. Regardez, c'est vraiment étrange. Et je vous fais voir après le petit message. Oh là 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 là. Regardez des ovnis au Far West sur Red Dead. Comme je vous dis, qu'il est énormément bombardé d'easter eggs. Et ça, ça fait un énorme secret à remplir les potos. Si vous avez des conseils, des petites sources ou quoi que ce soit dans les commentaires, je suis preneur pour savoir où est-ce qu'il y en a des autres, comment les refaire apparaître et tout. Mais je sais que quand vous allez dans cette maison là, entre minuit et 2h, ils apparaissent. Oh là là, j'ai envie de sortir dehors, mais à partir du moment où je vais sortir dehors les amis, bah la soucoupe elle va s'en aller directement. Normalement c'est à 2h du matin, 1h39. Vous voulez voir que je vous mens pas? Regardez, je vais sortir dehors en vitesse. C'est stylé hein. Des ovnis sur Red Dead. Oh là là. Je vais sortir en vitesse et vous allez voir. Hop là. Vous avez vu, c'est chiant. Et on s'envole. Oh là 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 là. Énorme, énorme secret qu'il y a là les amis. Énorme secret. Je ne sais pas si elle va revenir. Normalement il est plus de 2h donc elle va pas revenir. 2h03. Vous avez vu? C'est pas un énorme secret, un énorme easter egg. Et après vous allez à côté de ce cadavre là. Et regardez, il est une lettre bizarre. Et il parle de galaxie. C'est un énorme easter egg. Red Dead sont tellement remplis d'easter egg les potos. Ça remonte mystérieux. À la deuxième heure, sous la demi-lune, par le grand amour et la grâce de notre sauveur, Kupwabwa, le voyageur du temps et des galaxies nous abandonnera nos enveloppes corporelles. Vous avez vu, les voyageurs du temps et des galaxies. Nous abandonnerons nos enveloppes corporelles. C'est pour ça qu'il y a des cadavres. Ils ont tous abandonné leurs cadavres. Pour que son vaisseau puisse emmener nos esprits dans le royaume qui nous est promis et vivre en paix et harmonie jusqu'à la fin des millième années. Et nous reviendrons pour le nouvel élu et pour vénérer à nouveau le sommet du mont Shon dans son amour, notre joie éternelle. Voilà les amis. Donc en fait... Tous ces cadavres là en fait, et bah ils ont donné leur enveloppe corporelle comme ils ont dit pour rejoindre les mystérieux ovnis du galaxie pour revenir le jour J et faire grâce de Dieu, je ne sais quoi. Est-ce qu'il va y avoir un jour J particulier? Est-ce qu'il va y avoir des ovnis ou des aliens particuliers qui vont arriver? Je ne sais pas du tout les amis, mais si vous pouvez m'aider, car Docteur Brutus a besoin d'indices, mais ce easter egg de l'OVNI là, dans Red Dead les amis, il est énorme. Sur ce, je remercie tous d'avoir regardé la vidéo les amis. Ah, je vous fais voir la localisation, qu'est-ce que je suis bête. Oh là là, je vous fais voir la localisation les amis. En plus c'est dans le début du jeu, tu peux l'avoir, t'es pas obligé de faire l'émission. New Hanover ou je ne sais quoi. Vous avez vu New Hanover, tu vas un petit peu au du N. T'as un tout petit lac. Et c'est la seule maison qu'il y a là. Voilà. New Hanover. La seule petite maison. Avec le toit en décomposition et tu vas reconnaître, il y a tous les cadavres dedans, on dirait des pirates. Donc voilà, je vous ai fait la localisation, je vous ai fait l'easter egg qui est énorme. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis. Que vous la regardez le matin, le midi, le soir, c'est comme vous voulez. C'est vous qui vous faites plaisir. Je remercie tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires de faire des vidéos Red Dead astuces et secrets. C'est vraiment très sympathique. Et je remercie énormément aussi tous ceux qui m'aident à résoudre les secrets, car c'est très dur et je ne suis pas non plus un bon détective. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires qui m'ont aidé pour la vidéo du diable. Donc si vous pouvez m'aider pour cette vidéo là, si vous avez des autres trucs bizarres, je suis preneur. Sur ce, merci, plein de bisous même si je suis pas gay. Tchuss tchuss la famille.
Et allez voir vous-même les ovnis, vous allez voir, c'est un truc de barge.